Phonologie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à localiser le son I. Le son I de il. I de il avec le doigt I. Nous allons apprendre à écouter où se trouve le son I dans le mot. Nous allons utiliser des mots qui ont deux syllabes. Le son I va pouvoir être à l'attaque, sur la première syllabe, ou bien à la rime, sur la deuxième syllabe. Commençons. Je ne vais pas te montrer d'image, tu vas simplement écouter les mots. Le premier mot, c'est outil. Outil. On vérifie. Outil a bien deux syllabes. Sur ces deux syllabes, où est-ce que l'on entend le « i » ? Sur la première ou sur la deuxième ? Ou, ti. Ou, ti. On entend le son « i » à la rime. À la fin, sur la deuxième syllabe, alors je peux mettre un petit point pour dire que le son « i » est sur la deuxième syllabe. Écoute bien encore. Iguane. Iguane. Essaye de trouver si iguane a un son I sur la syllabe d'attaque ou à la rime. À l'attaque ou à la rime. Iguane. Iguane. On entend le I au début, à l'attaque. Je mets donc le point sur la première syllabe. Iguane, on entend I sur la première syllabe. On continue. Le deuxième mot, c'est radis. 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 J'entends le i sur la deuxième syllabe. Radis. J'entends le i ici sur la rime. Radis. Un autre mot, cette fois-ci, petit. Petit. On entend le i. Petit i. On l'entend à la rime. Encore une fois, je mets mon point ici. Petit. J'entends le son i à la fin. À toi de jouer en prenant ton ardoise. Tu vas dessiner les syllabes et ensuite tu vas mettre un petit point là où tu entends le son I. Par exemple, fourmi. Je fais l'exemple avec toi. Fourmi. Deux syllabes, je dessine deux arcs de cercle. Fourmi. Maintenant, je vais chercher où est-ce que j'entends le son I. Four. Non. Mi. I. Je l'entends sur cette syllabe, je mets un petit point en dessous. On recommence avec un autre mot. Écoute bien cette fois-ci. Gentil. Gentil. À toi de jouer, tu peux mettre en pause la vidéo. Gentil. Gentil. Maintenant, je vais chercher le son I. Jean, je n'entends pas I. Si, j'entends I à la rime sur la deuxième syllabe. Gentil. On efface. Mamie. Mets en pause la vidéo. Mamie. Ma-mie. Maintenant, je recherche le son I. Ma, je n'entends pas I. Mi, j'entends I. Ici, je mets un petit point pour dire que j'entends le son I à la rime, à la fin du mot. Attention, Irène. Irène. Mets en pause la vidéo. Irène. I-ren. Recherchons le son I. I,
je l'entends au début. I, je mets un petit point. I, et reine. Reine, je n'entends pas. Bien. Le dernier. Immense. Immense. Mais on pose la vidéo. Immense. Recherchons le son I. I. Je l'entends sur la première syllabe à l'attaque. Immense. I au début du mot. Bravo !